Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je m'apprêtais à accompagner mon fils faire du BMX, donc en essayant d'ouvrir la porte du coffre de mon Renault Scénic 2, il s'est avéré que la porte était coincée. Donc une vidéo très rapide pour vous montrer en cas d'urgence comment déverrouiller la porte du coffre. Alors c'est très simple, bien sûr, vous allez à l'intérieur. Donc à ce niveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau électrique, tout fonctionne parfaitement. C'est simplement un problème mécanique, c'est-à-dire qu'il va falloir que je remplace cette pièce soit chez un garagiste, soit que je l'achète et que je la monte moi-même. Donc c'est très facile à faire. Donc ça se présente de cette manière, vous avez le dispositif ou la serrure. Donc à ce niveau, munissez-vous d'un tournevis plat, cruciforme, peu importe, au moins d'un diamètre de 4-5 mm, pas plus. Donc le but, ça va être de débloquer la serrure. Alors ça se présente de cette manière. À l'origine, il y a un petit film opaque ici qui est tout plat. Donc c'est un film plastique, protecteur, peut-être un anti-poussière. Donc n'hésitez pas à aller sur la partie gauche de votre serrure à perforer pour pouvoir dévoiler donc le dispositif qui nous intéresse. Donc le but, ça va être tout simplement d'introduire donc le corps cylindrique et de tirer sur la gauche tout simplement pour déverrouiller donc le petit cran ici. Voilà, automatiquement, vous voyez, ça se libère. Donc si ça offre de la résistance, n'hésitez pas à tirer un petit peu vers vous des deux mains. S'il y a quelqu'un qui peut filmer, vous aider plutôt. Et une fois que c'est déverrouillé, voilà, ça donne ça. On a le petit loquet qui s'est débloqué. On peut, dans l'urgence, ouvrir donc la porte de son coffre. Voilà, voilà, tout simplement. Ensuite, bien sûr, soit vous allez chez un garagiste vous faire enfler, puisque ça coûte relativement cher pour ce que c'est. Sinon, vous pouvez acheter la serrure pour 30 balles environ, suivant le modèle de votre bagnole, et le monter vous-même. Voilà, pour plus de précision, donc j'ai décidé de démonter le dispositif de verrouillage du Scénic 2 pour vous montrer plus précisément. Donc la pièce est disposée à plat sur le plancher de cette manière. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un petit plastique relativement dur de protection. N'hésitez pas à le perforer pour accéder donc au dispositif de sécurité. Vous voyez, donc ça se passe comme ça. Un petit tournevis plat ou cruciforme. On tire sur la gauche. Voilà, donc dans mon cas, cette pièce est défectueuse. J'ai tout simplement commandé une petite pièce sur eBay pour 28 euros et des poussières que je recevrai d'ici 48 heures. Donc je ferai prochainement une vidéo sur comment remplacer très rapidement et simplement la serrure d'un Renault Scénic 2. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.